Allez, go. Go pour Nito. Pas quelqu'un qui peut me vendre des trucs. Toi, tu peux pas vendre des buffs. Va te faire foutre. I have my. Oh, really? Ah, personne qui veut me vendre des buffs. Toi, casse-toi, je t'aime pas. You sorry fool. You could not be the chosen one. Enough. I shall slumber until I am awakened again. Qu'est-ce que je l'aime pas, lui? Tu travailles pour Gwyn, toi. Toi, t'es un connard, toi. Par où on passe? Là-bas. C'est un putain d'endroit sérieux pour le trouver, sans guide, sans rien, il faut vraiment lutter quand même. Ah, son épée elle est passée derrière le dos. C'est pas... C'est magnifique ça. Ah, c'est vrai que ça va être relou ici. C'est vrai que ça va être très très relou ici. Là-bas. Ah oui, il y a un grand passage avant qu'on soit dans les catacombes en fait. J'avais complètement oublié ça. C'est un putain de labyrinthe en plus. Il y a des ponts. Avec les statues, avec les pics. Ah, oh, fait chier. Je peux pas trouver quelqu'un qui peut m'aider quoi direct. Vache. Ça, ils font pas super mal. Par contre là c'est mort, là c'est mort là. Ah ouais, là. ouais. On est reparti. Dans la joie et la bonne humeur. On joue à un jeu qu'on aime. Est-ce que je peux sauter là directement? Non. Je sais qu'il y a plein de... Oh la vache, ils vont me casser les couilles là les deux là. Je sais qu'il y a plein de raccourcis en fait en saut. Je vais commencer à les tuer parce que de toute façon ils sont pas très très résistants, je les one shot quasiment. Merde.
en train de m'égarer, je crois. Je sais qu'il y a une super arme ici aussi. C'est la pique, là. J'aime bien l'utiliser. Elle est dure, mais elle fait vachement mal. Je sais plus où elle est. Je crois qu'elle est là. Bec. Je crois que c'est une arme de force en plus. Je crois. Ou alors c'est Dex. Non, c'est les deux. Ça avec l'anneau ornette là, de l'abeille, je sais pas quoi, de la guêpe. Ça fait super mal. Loupé. Surpris de pas être mort. Ah putain, il y a encore un machin pas loin. Il est là. Par contre, je sais plus par quel chemin on va passer. Où on tombe et on se retrouve avec le... le mec là qui crée les... qui crée des armes. Oh merde, loupé. Tomber directement dans le trou ou alors sur les petites plateformes. Je les vois pas les plateformes, c'est chaud, c'est super noir. Ou alors on descend par l'autre côté. Enfin on va voir. Bon, maintenant on peut prendre des raccourcis je pense. Ah non. Je crois qu'il y a un feu à droite, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a un feu là, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus, il n'y a pas un feu entre deux? Entre ces deux passages?
Par contre, ces esprits. Ou alors c'est là. Ah, c'est là-bas. Ces esprits qui flottent, ça c'est un peu con, je trouve, dans Dark Souls. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon. On n'est plus à ça de près, mais bon. Voilà quoi. Je voulais redevenir humain en fait pour embraser, mais je sais pas si j'ai vraiment besoin d'embraser ici. Allez. On va le faire quand même. Ah oui, avant on a le mec avec les trois masques à tuer. Oh putain, mais il y a beaucoup trop à faire en fait. Oh, j'ai pas envie. Il y a trop. Grave trop à faire. Voilà. Je l'aime bien, lui, il est cool. Je pense que pour sa voix, je crois qu'ils l'ont fait au téléphone en fait. Ils ont dû enregistrer la conversation au téléphone. Il est où mon seigneur? Ah non, je crois que j'ai. Non, lui il peut pas aller plus haut que 10. Je crois. Je suis à combien moi? Ouais, il peut pas. Peut-être le bec qu'on peut augmenter. Ah oh, putain. Juste pour tester un peu. Ce que j'aime bien, c'est ses mouvements en fait. Mais bon, il nous faudrait de la Dex aussi. On verra ça plus tard. En tout cas, c'est un début. Oh, ce passage, le passage de la mort.
Oh, le passage de la mort. Ah, laissez-moi tranquille. Son histoire à lui, elle est triste. Apparemment, de ce que je me rappelle, je crois que c'est en gros c'est Gwyn qui lui avait donné l'ordre de travailler sur comment décupler le feu ou un truc comme ça pour le prolonger. Et au final, je crois qu'il a emprisonné son fils et sa femme en fait dans le même corps. Et depuis, il essaye de se racheter en, faisant plein d'expériences. Enfin, il essaye de défaire ce qu'il a fait, quoi. Elle est plutôt sympa, son histoire. L'art de l'embrasement. Ouh, on a le masque du père. On a le masque du père, on va le garder. Être un ninja avec le masque du père, ça fait super laid, mais bon, c'est marrant. Ouais, son histoire est sympa, moi j'aime bien. Tout ça à cause de Gwyn, il y a eu tellement de monstres et de bordel en fait à cause de Gwyn. Ah ouais, par contre j'ai pas, j'ai vraiment rien en, Non, non, j'ai rien, hein, c'est pas grave. On y va à l'arrache. Hein. Hop. Je passe. Je passe. Faites pas attention à moi. Ça va, je risque rien. Je sais exactement où je vais. Ah, merde. Ah, ah. Ah, yes, on peut. Bah, cool. Ah, t'es là, toi. Please be careful. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing? Nothing at all to be done. Si. On les tue. Comme ça. Voilà.
You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these... I am certain... Ah oui, après on a ça. Putain de merde, saloperie. Ouh, ça c'est rare ça. Là par contre, on va peut-être avoir besoin de 10 astuces. On peut même aller plus, mais on va pas le faire. Button shot 19. Pourquoi pas? Nito est pas difficile. Par contre, Nito, il est quand même assez simple, je trouve. Mais c'est le chemin, putain, le chemin est chiant. Si on a des gens qui peuvent aider, on prend. Ouh. Enfin, si ça connecte. Où on s'est fait envahir, où ça a marché, mais bon, c'est un peu long. Putain, j'ai cru que j'allais tomber. Non. Bon bah merde. Voilà. Enfin, je crois pas qu'il meurt. Qu'est-ce qu'ils sont horribles, ces squelettes. Après, il y a un chevalier là, je crois. Je crois qu'on peut descendre par là. Ah, la vache. Ah, j'y suis, je crois. Oh, putain. Ou pas. Si, 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 on y est, ça y est. Ouh, on est bon. Oui, suicidez-vous. Oui, c'est parfait. Ah, on va se faire envahir, non? Ou pas?
Ah non. Va te faire foutre. Il envahit de quel côté, Leroy? Il est là. Ah. Putain, les dégâts, même en bloquant, parce qu'il a de la machin, là. Comment je vais le tuer, lui? Il fait tellement mal. Bon, il est pas très très intelligent non plus, donc bon, ça va. Ça passe. Là, je crois qu'il y a des trucs qui vont apparaître. Voilà, ça va. On peut les tuer facilement. C'est un putain de piège, ça. Oh, passe! Yes! Il m'a pas donné le coup de pied. Ouh, 11 échos. Ah merde. J'aurais dû regarder pour des marques, si des gens peuvent aider. Allez, go. Ah putain, je me disais c'est quoi ce cri, je me rappelle plus de cette attaque. C'est quand il invoque ses putains de d'épée. Loupé. Ouh, je lui fais pas beaucoup de dégâts. Oh merde. Attention. Oh merde! Pas bloqué, pas bloqué, pas bloqué, pas bloqué. Oh, pas bon, pas bon, pas bon. Tu veux pas tuer tes copains, Nito? Ah, épée. Roulade trop tôt. Pas grave. Putain, j'ai activé tout le monde, c'est relou. Est-ce que je le touche? Putain, je le touche pas en fait. Loupé. C'est un peu étrange que Nito en fait fasse appel à de l'aide. Enfin, il le protège. Alors que lui-même, il leur fait des dégâts. C'est un peu bizarre en fait, ça. Oh merde.
Ça c'est là-haut. Oh mon dieu. Je suis trop près. Non, ça va. Oui, tu t'es pote. Pas trop gourmand, restons calmes. Oh, pardon. J'ai pris vraiment le mauvais côté. Ouf. Allez, encore deux coups et ça passe. Il est où le feu? Là. Ok. Maintenant. On va pouvoir faire les rois, donc il faut l'anneau, donc il faut passer par ah merde, la forêt. On va passer par la forêt. Comment je vais y aller par la forêt, moi? Ah si, je me rappelle, je sais. On peut pas se téléporter directement, je crois. Donc on va faire ça. Ah oui, toi aussi. By the lords. Voilà, c'est toi, je t'aime pas. Je pense pas qu'on va faire le l'hydre, parce que bon, sinon l'hydre ça va nous prendre genre 20 minutes à faire aussi, c'est chiant. Et encore 20 minutes, c'est si ça se passe bien, si je tombe pas dans l'eau par exemple. Donc on va acheter... Hello. On va acheter le... L'objet pour le signe d'Artorias, je crois, pour ouvrir la porte, et on va passer par la porte directement. Par contre, je sens qu'on va se faire envahir direct. Faudrait peut-être crever avant, parce que j'ai pas envie de faire du PVP. À quoi qu'on peut tracer pour le boss, comme ça, c'est fait. De toute façon, j'ai rien à récupérer. Pas 10. Bon, ça va, au final ça se passe. Ça se passe vite, ça va. C'est juste Sif en fait qui était chiant, le chemin était chiant. Ah, c'est 20 000. Oh la pute. I'll be seeing you there. Ooh, c'est quoi be ça? Careful out there.
C'est quoi ce lag de fou? Pourquoi tu lags? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Ok, stop, 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 qu'est-ce qui se passe? Bah rien. Il se passe rien sur l'ordi. Je vois pas pourquoi tu lags. Ah, bah c'est bon. Pourquoi tu lags tout d'un coup? Qu'est-ce que t'as le jeu? Well, hello. Oh, peut-être qu'on va aller dans la forêt, ça va s'arrêter. Oi, where are you off to? Oh la vache. Ah, c'est juste le jeu qu'il a, qu'est-ce qu'il a? On va aller au feu de camp, puis je vais quitter le jeu et revenir. Eh ben. Flow motion. Oh waouh. On va aller au feu de camp si j'y arrive. Parce que jouer comme ça. Oh mon dieu. Je crois qu'on doit jouer à 10 voire 5 FPS là. Parlant de ça, j'ai vu dans certains commentaires sur des vidéos des gens en disant genre « Oh, qu'il y en a qui parlaient « Ouais, moi j'aime pas quand c'est lock à 60 FPS, je veux plus de FPS et tout ça. » Et un mec, à un moment, il a dit « Ah, mais moi j'ai fini genre GTA 5 à 15 FPS, ça me dérange pas quoi. » Comment tu fais pour jouer à un jeu à 15 FPS? Ah non, ça c'est bon, ça va, c'est revenu à la normale. Bizarre. Oh non, le feu! Comment tu peux jouer à un jeu à 15 FPS, s'il te plaît, quoi. Bon, petite pause de mon côté. On va quitter. Petite pause et après on continue.